Car l'objectif du jour est bien de mettre à l'honneur la réussite des femmes et des hommes qui, passés par notre hub, ont pu s'accomplir dans leur vie professionnelle et sans doute personnelle. Bravo à eux pour leur parcours exemplaire et méritant. Le hub Nikola Tesla est fier de les compter parmi ses diplômés. On a fêté 34 ambassadeurs du hub. Ils représentent beaucoup parce que ce sont à la fois des parcours exceptionnels, mais en même temps, c'est aussi des exemples pour les nouvelles recrues. Parce que grâce à ces ambassadeurs du Hub, et c'est une garantie de la réussite. Ce qu'ils nous ont dit, c'est que lorsqu'ils arrivaient ici, ils pensaient que ces formations n'étaient pas pour eux parce qu'ils n'avaient pas de formation initiale, ils n'avaient aucune connaissance des sujets. Une personne qui était préparatrice en pharmacie, dans 2 ans, elle sera ingénieure en cybersécurité. Je fais partie de la première promotion du diplôme de technicien de fibre optique. J'étais à une période de ma vie où je voulais une reconversion professionnelle. Ça m'a tout de suite plu quand j'ai lu l'intitulé, mais je ne savais pas si j'avais mes chances ou pas. Donc je me suis vite intégrée grâce au Hub Nikola Tesla. J'ai passé mes formations, mes stages et j'ai pu travailler aussi dans toute la France et aussi à l'étranger. J'ai fait une formation justement de 6 mois avec l'Académie des Télécoms au sein du Hub Nikola Tesla. Et du coup, après, j'ai voulu vraiment me spécialiser dans la fibre. Et après, j'ai fait un apprentissage d'1 an avec Orange. Et à la suite justement de l'apprentissage, j'ai été recruté en CDI chez Orange.